Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Might and Magic 7, Heroes of Might and Magic 7. Et là, on attaque la campagne de l'académie. Deuxième épisode de la campagne de l'académie, voilà. Allez, on est parti. Alors là, il va falloir prendre la garnison, je sais pas si vous vous souvenez, et la protéger. Et on va se mettre en garnison. Alors ici, on avait quoi? Des rebelles orques. Ouais, c'était ça. Faut que je me souvienne, hein. Parce qu'en plus, elle a pas l'air facile du tout, cette mission. Croyez-moi. Là, mais il veut pas. Si je me souviens bien, il veut pas parce qu'il y a des orques à côté. Ça a la limite. On verra, mais. Ah bah si. Ah oui, c'était ça, le saut d'Elras. Une paire de Kabir, ça c'était à prévoir. Ok, donc on doit attendre que l'autre passe. Je sais même pas si je fais bien de me mettre en garde, disons, mais bon, soit. On verra. De toute façon, pour le moment, on est obligé de faire ça parce que sinon il prend la garnison et après il prend la ville. C'est bien là notre problème en fait, hein. Accès bloqué, accès bloqué. Ah, donc ici on ne peut plus rien faire. Si, on va prendre l'or là, mais ça change plus rien. Voilà, combat. Alors là, on verra. Normalement, on est en garnison. Alors, est-ce qu'on a eu de l'aide de la garnison? Ça, c'est autre chose. Je crois pas. On va le faire en automatique. Je compte sur mon adversaire. En plus... Je me fous dans la garnison, c'est pour pas être dedans. Super, merci les gars. Alors s'il veut taper de la magie, c'est le moment, hein. Je pense pas que j'y arriverai. Ça a l'air mal barré, hein. Je crois que je vais devoir revenir au début de la mission. Au revoir. Voilà, fini. Comment je vais faire ça? Voilà.
va rejouer depuis le début. Je pense que c'est peut-être au moment du tout début où j'ai interverti les héros. Enfin, leur armée, et j'aurais peut-être pas dû. Peut-être. En plein cœur des sables du Sahara, les orques déferlaient dans la ville. Voilà, nous y sommes. Alors niveau 5, tout va au niveau 5. Voilà. On va faire ça. Pour qu'elle puisse prendre de l'XP aussi. Là, maintenant je connais, on peut se permettre directement d'aller sur le gars. Là, afin de voir un peu plus clair. Voilà. On va les poutrer un par un. Dommage. J'allais dire ça peut aller vite, mais raté. 1000 d'XP, on va pas oublier de prendre l'XP ici, hein, bien sûr. Boum, voilà. Normalement, c'est bon. La ville paraissant à nouveau sous contrôle. Là. Fade. Ça c'est cool ça. En zone de 4 sur 4 pour plusieurs unités, ça le fait. On va essayer de monter différemment ce coup-ci. Et on va parler à Kassim. Premier du cercle. Voilà. Bon, je passe. Étant donné qu'on l'a déjà fait. Niveau. Plus de en magie, ça se prend. On doit attendre, hein, malheureusement. Pas de bras, pas de chocolat. On va attaquer ici. Un combat rapide, j'espère que ça ira. Voilà. On a perdu une paire de gars, mais tant pis. On est passé. Ok. J'ai quelques unités avec. Lol, en fait tu reviens exactement de la même façon. Ok. On va sauver alors, hein. C'est à ce moment-ci que ça devient compliqué. On va dire ça comme ça. Alors là, j'ai aucune idée. Ok.
Ok, ça c'est ok. Bon, on va terminer son tour. Hein. On va aller chercher ces unités-là qui sont gratuites. C'est déjà mieux que rien. Voilà. Et on va courir directement à la ville. En espérant que ça suffise. Voilà. Et on va se taper une paire de rebelles. On va prendre l'XP pour le moment. Level up, hein. Ah, là-bas, il y a quelque chose. Ah ouais, mais ils voudront seulement si je détruis les orques ici de ce coin-ci. Ça va être chaud. Alors, vos éclaireurs signalent qu'aux alentours de Chibidia, Maliota et ses insurgés, vous comprenez la colère, mais il faut néanmoins l'arrêter. Bah oui, merci. Modeste, modeste, modeste. Ah, il y a une paire de modestes. Il y a moyen de moyenner, hein. Ça doit être gérable. Alors là, par contre, est-ce qu'il faut faire des combats? Faut pas faire de combats? Ça, c'est une bonne question. Faible. Ok, bon. On va sur les rebelles déjà. Bon, on verra ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser d'abord. On va d'abord le laisser prendre la garnison. Et puis je l'attaquerai après. Comme ça il va peut-être perdre une ou deux unités. C'est peut-être dégueulasse, mais c'est comme ça. Ok. Il y a des rebelles orques encore ici dans la zone. Périlleux. Ouais. La question c'est, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent se joindre à moi? Hormis eux. Je n'en vois guère. Des loups. Ah là. Ouais, bon. Voilà, comme ça, il va passer. Boah, lapin crétin. D'accord. Ah ouais, il va passer, il m'attaque. Il n'y a plus de respect. Ouais, là, ça change plus rien.
On va faire ça, on verra bien. Super en initiative. À pic, quand même. Il y a quelque chose que je dois rater. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose que je dois rater. En vrai. Ah là, je dis oui. De givre, c'est ça que j'aurais dû utiliser. Wow, doucement, doucement, doucement. Pas se planter. Voilà, normalement je le tue. Ou pas. Ou pas. D'accord. Alors c'est comme ça. On rejoue. Maintenant on connaît. Et on va faire que des traits de givre. Ça fait mal ça. Et on va l'attendre. C'est pas zon, pas cool ça. Tour 2. Alors là. Un petit critique des familles. Voilà, 2 sur 3. On devrait s'en sortir finalement. Voilà, nickel. Le Kabir, oh là, le Kabir il manque, il descend très vite. Hein. Mais bon, ça va. Finalement. On va faire ça. Et tuer celui-ci. Et voilà. Carnage. C'est bon ça. Manteau du magistère. Plus de magie. Ah ben ça va. Merci pour votre aide, ô grande fada. Notre humble cité est à votre disposition. Merci. Je ne peux m'y attarder, mais j'accueillerai volontiers vos renforts. J'aimerais tant pouvoir, noble dame. Hélas, nous sommes des gens simples et, comment dire... Continuez. Après tout ceci, les habitants rechignent à délaisser leur foyer. Et, très franchement, ils sont mal à l'aise à l'idée de combattre aux côtés d'hommes bêtes. Je vois. Mille pardons, mais malgré la distance qui nous sépare des sept super, les rumeurs nous parviennent, vos ébats amoureux notamment. N'ayez crainte, je ne vous causerai pas ombrage plus longtemps. Espérons que vous ne ferez pas les frais d'une autre attaque. Et voilà, finalement on a réussi, c'est cool. On a cartonné.
On va aller chercher les gaillards là-bas. Et avec Fahada, on a donc maintenant la ville, il paraît. Ou pas. Super, ça vaut la peine. Je te donne ma ville, mais non, en fait. C'est ça le concept. Eh bien, on va se mettre en maître magie, hein. Je crois que le paragon aurait été sympa, mais soit. Tout est périlleux. Comment je vais faire ça? J'aurais bien aimé avoir tes renforts, mec. Là. On va passer là. Combat rapide. Ok. Easy. Et on va passer de l'autre côté ici, voilà, pour aller chercher les kabirs. Pas validé, hein. Ça me fait pas grand chose, hein, franchement. J'ai l'impression qu'elle est pas si facile que ça, cette map. C'est pas une impression même, hein. Quand je vois. C'est le dernier ici dans la zone, je pense. Ouais, ok. Bon, on va aller attaquer ceci alors, hein. Tant pis. J'espère que ça ira. Ok, nickel. La nouvelle de votre victoire au nord se propage dans toute la ligue. Et mercenaires, d'autres accepteront peut-être de se joindre à vous. Ah. Autant que je sache, les héros ne mettent pas les villes à sac et ne massacrent pas les innocents. Pas d'innocents dans cette terre. Ça, vous êtes bien placé pour le... Voilà. Nouvelle zone. On va aller voir là-bas. S'il veut pas se joindre à nous. Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui se joindraient à nous ici? Parce que bon là, menace moyenne, tendue quand même. On va aller se faire les dents là-bas. Ah d'accord, et on a les deux maps qui se rejoignent ici. Ok. Je vois quoi. Carrière de map. De map. De pierre et de bois. Un nouveau talent. Ah ok, d'accord. Bon. Ça c'est cool. Je vais prendre ça. Alors on va se faire les centaures. Normalement ça devrait aller. Oui. J'ai quand même deux pertes. Ça fait un peu mal. Et là normalement il veut pas parler. Pas assez de points de mouvement. Ouais. Suspense. Jusqu'au bout. Hein. Hop. On va être tenté de massacrer tout le monde. Prendre l'acier draconique. Ok, là on va le prendre parce qu'il se joint à nous maintenant. Là je pense pas. Hein. Ouais. Tant qu'il y a des rebelles orques, ils ne veulent pas. Et il y en a là et là. Bon bah. Que voulez-vous que j'y fasse? À moins que j'arrive à passer ici, le pont, et que j'arrive à rejoindre les deux unités. Qui sait? Ah. Je sais pas si j'ai fait un peu n'importe quoi, peut-être. Il y a des chances. Perso, je le sens pas. Bon, là, il y a de l'XP. Et de l'autre côté, il y avait un autre endroit. Pourquoi il garde ça?
Ça, c'est des distances. Tant pis. On va aller se taper contre le mur. On va en perdre une paire, hein, je pense. Ça va. Bon, 2500 d'XP, ça valait quand même le coup. Ok. Mortel, forcément. On va essayer de passer par ici avec elle. À moins qu'il y ait un saut. Saut à l'achat. D'accord. Bien joué, les gars. Suite était trop facile. Ok. Bon. Bien, du coup, ici, on peut se permettre potentiellement de tout raser. Ah. Il y a un passage dans le sous-sol, là, tiens. Wow. On va essayer, mais j'y crois pas du tout. Ouais, voilà. Donc là, on a deux renforts qui peuvent arriver. Mais on a toujours des orques ici, hein. Comment je peux faire ça? Si je vais une fois là, ça fait quoi? Sur la trace des rumeurs, mince. Kalida se mua en tempête de sable pour rejoindre les cavernes d'Amal en quête de la mystérieuse fleur du désert. Kalida savait que ces grottes abritaient la tombe d'Hakim, un mage épris d'énigmes et de casse-tête. Si la fleur s'y trouvait, elle devait être bien cachée. Ok. Bon bah, on est parti, hein. Plus de PM. Alors, récupérer la fleur du désert. Il m'en reste une au sud. Si je fais ça, je vais me taper dans le mur, on est d'accord, hein. Peut-être là, qui sait. Oh là 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 là. J'en perds de plus en plus. Ah, ça c'est cool, les élémentaires. Ça j'aime bien. Bon, ça a pu me servir grand chose, mais j'aime bien. Si je peux prendre des gars. Là, j'ai pas non, hein. Parce que là, je sais pas comment je vais faire. XP. C'est tout. Non, là, il y a quelque chose. Voilà. Combat rapide. Bon, ici, avec elle, je pense qu'on va pas regarder. Kalida, il doit dégommer tout ce qui bouge. Wow. Ouais. On peut pas recrutager. Parce que là, bon, avec mon élémentaire d'air, moyen, j'ai envie de dire, hein. Qu'est-ce que je vais faire? Aucune idée. À mon avis, je dois avancer ici. Pas validé, hein. Oh. Pierre, cyclone, boule de feu. À mon avis, le mago, il doit être surpuissant une fois qu'il est EP. Ah. Alors, c'était où? D'accord, par là. Tout va bien.
Alors là, je suis un peu bloqué, hein. Avec elle. Si j'avais un endroit où je pouvais recruter des gens, ou... Non ? Non, pas envie trop. Pas trop, trop envie que ça. Ou alors je... Ah bah non, il y a un saut. Tout est périlleux. Peut-être simplement que j'attends. Simplement. Qui sait ? Pourtant, ça m'a l'air l'héroïne principale, hein. Ok, d'accord. Ça m'ennuie, hein, par contre. Ne fût-ce qu'une petite recrue, ça m'aurait sauvé la mouise. Là. Bon, je dois trouver cette fameuse fleur le temps que je m'occupe, en gros. Là. C'est une blague. Je viens de là et je dois faire le tour. Il y a des coffres, il y a de l'XP, il y a de l'XP. Bah là on va attendre, hein. Non. Faut simplement une petite créature, please. Que j'aurais raté un truc. Ça. Voilà, c'est peut-être là qu'on doit. C'est chaud. Voilà, ok. J'ai pas les sous, j'ai pas les sous, Ah, bon, si j'ai pas les sous, eh bien on fait ça. Tant pis pour l'XP. Mais il y a des fois des cas qui justifient bien d'autres choses et d'autres choix. Alors, hop. Ok. Des élémentaires maintenant. Faible. Et bien voilà. On va commencer à décanter le problème. Heureusement qu'il y avait ces coffres. Hein. S'il n'y avait pas eu ces coffres avant, si je l'avais, j'avais déjà pris de l'XP, j'étais un peu de la revue, comme on dit. Combat rapide, on va en perdre, hein, ça c'est sûr. Alors, votre victoire sur les orques au sud a remonté le moral des troupes mages. Les soldats et les mages que vous croiserez seront peut-être prêts à gonfler vos rangs. Merci. Plus 2, 2500 d'or et 1000 d'XP. Ok. Eh bien, on va aller directement chercher ici l'habitant des 7 cités. Voilà, voilà. Faible vous affrontera. Qu'est-ce que c'est que ça ici? J'aime pas fort beaucoup ça. C'est un peu trop beaucoup calme. Un truc dans le genre, c'était ça. Alors, bah, validé, hein. On va prendre les cabires aussi, là. En passant. Et je pense qu'on va nettoyer. Ouais, ça peut être bien. Alors, des leviers, super. Énigme. Ah, j'aurais peut-être pas dû toucher. Oh my god. Pourquoi j'ai touché à ça? Bon. Hop, hop. J'espère que c'est pas moi. Non, ça va, c'est mes unités. Alors, trait de givre. Je bim. Ah, problème résolu. Alors, la fleur du désert, trouvez le moyen d'ouvrir le caveau.
Si vous voulez, je mets un coup de pompe. Ça peut fonctionner, ça, non? Si je refais ça. Oui. Mais encore? Est-ce que je gagne de l'XP quand je fais ce combat? Ah. Il y en a plus. Il y en a plus. Bof. Le malheureux. Et là, on va... Restez bien en arrière. Un élémentaire de feu. Il attend. C'est une blague. C'est que je peux te tuer trois fois pour le même prix. Hein. Enfin bon. J'ai des squelettes moi. Bah a priori oui. C'est cool ça. C'est bon ça. 57, 57, ok. Ténèbres, ouais. On va tuer celui-ci. Ah, j'ai cru qu'il passait son tour. Mais non. Voilà, hop, on va pulvérisationniser celui-ci. Voilà, c'est réglé. Et bim. Alors j'espère qu'on gagne de l'XP là-dessus. Hein. Normalement oui. Ok. Et c'est ici qu'on va cesser. Oui, 37 minutes, c'est bien long comme épisode. Je pensais être à 30 minutes, c'est pas grave. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait. Merci à tous. Bye bye.